Get past the people, get past the hitmen. Skip a film, c'est chic, c'est chaud. Bonjour, c'est chic, c'est chaud. J'ai le grand plaisir de recevoir une personne magnifique. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Il est mannequin, danseur, et il va se présenter. Et je crois qu'il a plusieurs casquettes. Bonjour, cher ami. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, vous êtes magnifique. J'adore votre look. C'est gentil. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? En tout cas, moi, je suis ravie de vous voir. C'est gentil. Alors, je suis Laurent Ballard, chorégraphe, danseur, directeur artistique et mannequin, entre autres. Un peu styliste aussi. Un peu styliste aussi. Vous êtes de la concurrence, alors? Ah non. Ah non, je plaisante. Ok, alors, ce parcours, il a commencé comment? Cette aventure, elle a commencé comment? Ça a commencé il y a là, 13 ans. Oui. J'avais l'âge de 16 ans. 16 ans? Est-ce qu'on peut dire votre âge? Oui, c'est pas de problème. Oui, je viens tout juste d'avoir 29 ans. 29 ans, il est tout jeune, tout frais. Bon, je dirais pas le mien, cher monsieur, hein, parce que vous allez partir en courant. Ok, alors l'aventure a commencé quasiment quand j'avais l'âge de 16 ans. Et j'étais déjà passionné par l'art. Quand vous dites l'art, c'est large, c'est quoi? L'art. Oui, l'art. Mais donc, l'art, c'est large. Oui, c'est large. Oui. J'étais passionné par l'art, pas tout ce qui est touché à l'art. Tout ce qui est art, création, soit, ça vous plaisait. Dessin, musique, mode. Depuis l'âge de 3 ans, j'avais commencé avec le concours, le dessin. Je fais beaucoup de dessin à l'époque. Beaucoup de dessin? Beaucoup de dessin. D'accord. J'ai fait beaucoup de concours de dessin. Après, le dessin m'a un peu. Je ne vais pas dire saoulé, mais j'ai mis. Une pause. C'est ça, vous êtes passé à autre chose. Ça, je suis passé à autre chose. D'accord. Trouver une passion pour l'art du spectacle. Du spectacle, oui. Voilà. Dont la danse et la musique aussi. Alors, à la danse, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites encore? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, en tant que danseur, oui. J'ai commencé, j'ai fait du. Danse classique. Ah, vous avez une base classique. Une base classique. D'accord, point de compagnie et tout. Non, à l'époque, on travaillait avec les chorégraphes du Ballet National qui étaient dans le monde. D'accord. Et donc, on avait c'est un pas chorégraphe la danse classique avec les barres, les points, tout ça. Si, quand même. Si, quand même. Ok, d'accord. Donc vous avez une base classique. Une base et classique. Après, j'ai développé en street jazz. Ok, le street jazz, c'est quoi exactement? Le street jazz, c'est un mélange de la danse, du modern jazz. D'accord. Qui est une dérivée de la danse classique. Ok. Et le côté street, qui est, comme on le dit vulgairement, street, c'est la liberté. Donc, on peut y ajouter toutes sortes de styles, soit de l'afro, soit du pop, soit du jazz encore, ou soit de la danse classique. Il y a plusieurs styles. D'accord. Et c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, vous avez développé cette... J'ai développé en street jazz, okay. Mais il faut reconnaître que nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Oui. Donc j'y ai associé les danses chez eux, les danses patrimoniales. Ah, et alors qu'est-ce que vous dites danse patrimoniale? C'est de quelle ethnie? Non, danse patrimoniale. C'est quoi les danses patrimoniales? Ça englobe les différentes têtes culturelles du Cameroun. D'accord, ok. Donc, sol culture, le... Oui. Tout ce qui fait les richesses de la danse, voilà, au Cameroun. Voilà, donc ça s'est rajouté. Donc j'ai développé cela et créé un produit qui est du street jazz afro. En général, vous produisez où? Ça dépend. Quand je dis ça dépend, c'est qu'aujourd'hui, je suis rentré dans une logique de professionnalisation de la chose. D'accord. Je travaille soit pour les artistes, sauf des spectacles comme moi-même. Je oui, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà, on avait une discussion. Oui, une discussion très intéressante d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne vulgarise pas mon métier. Tout à fait. Voilà, donc je l'ai professionnalisé, de sens en sorte que je suis très strict là-dessus. Très bien. Je ne produis pas n'importe comment et n'importe où pour n'importe où. Et au niveau de l'argent, alors, vous faites ça ou c'est un peu compliqué en ce moment? Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs casquettes. D'accord. Voilà, et. L'alimentaire, c'est quoi chez vous? L'alimentaire. Oui, ce qui vous fait vivre au quotidien. Je dirais la direction artistique. Direction artistique, c'est-à-dire on vous commande. On vous commande. D'accord. Pour des projets, pour des shootings photos, pour des clips, pour des vidéos, pour plusieurs choses. C'est pas mal.
c'est pas mal tout ça, moi je suis ravie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi le projet avec vous? Est-ce que vous avez envie de passer des frontières du Cameroun ou non? Bien évidemment, c'est un projet. Et... aurais-je l'occasion de vous voir à Paris? Qui sait? Si on vous propose quelque chose, ça serait bien. Quelque chose, ça vient mieux. On va s'y atteler. Je ne vous promets rien, mais bon, je vais toujours essayer. Ça me fera plaisir. Alors, les projets ici, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous pourriez me dire dans les jours à venir? Qu'est-ce qui nous attend comme bonne surprise? Actuellement, je suis en train de travailler sur plusieurs clés. Je ne peux pas dévoiler malheureusement. C'est des contrats de confidentialité. Absolument. Et on vient juste de terminer un tournage. Vous avez vu, j'ai dû renvoyer plusieurs fois. C'est ça. Et je vous en remercie d'ailleurs. Projet futur, il y a tellement de projets. Je ne saurais vraiment pas par lequel commencer. Bah, celui qui vous tient le plus à cœur. Je ne vais pas vous dire, vous mariez. Vous allez rigoler. On parle artistiquement. On parle artistiquement. Oui. Alors, artistiquement, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est de relancer mon agence. Relancer votre agence. L'agence de quoi? De mannequin ou de danseur? C'est un tout. C'est une agence qui va regrouper et les mannequins et les danseurs. Et beaucoup travailler sur la direction artistique parce que je veux vraiment viser sur la direction artistique. D'accord. Je l'avoue parce qu'il y a beaucoup d'agences. C'est votre fort, c'est quelque chose qui est pointu pour vous. C'est quelque chose pour moi qui englobe un peu tout. D'accord. Parce qu'en tant que directeur artistique, je peux gérer les danseurs, je peux gérer les mannequins, je peux gérer les artistes, je peux gérer plusieurs volets de plusieurs choses. Donc c'est plus facile pour moi de me retrouver là-dedans. Je peux faire plusieurs choses. Je peux décider aujourd'hui. Bon. Je vais plutôt l'attendre. Ah, je vais diriger un clip, puis il faut que je travaille avec les danseurs, on va travailler comme ça, on va faire la mise en scène et autres. Et là, je peux retrouver sur un défilé où il faut que je travaille avec les mannequins, je vais faire la chorégraphie par exemple pour un défilé, etc. etc. Il y a plusieurs choses qui englobent la direction artistique. C'est ça qui me plaît le plus en fait. Pour moi, en fait, c'est l'aboutissement de les différentes casquettes. Ah, voilà. Très bien. On va croiser les doigts. Moi, j'ai envie de continuer. Être en relation avec vous. J'ai pas mal de petits projets, donc on se dit à bientôt. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je travaillerai avec ce monsieur tout à fait charmant. À bientôt, merci. Et merci encore.